Allô, allô, bonsoir. Oui, enfin bonsoir, bonjour. Chipote, comment allez-vous? Le coup de vieux, ça a dû te faire. Oui, c'est ça, Yorito, à l'époque, je faisais des trucs avec Siphano. D'ailleurs, j'en fais encore de temps en temps. L'autre jour, il a voulu m'inviter pour un live Sky Defender, mais j'étais pas dispo. Alors. De tu on va faire comme d'habitude hein, les tests pour voir si c'est bien calibré le son. Alors, Overcook, New and Testy, Overcook, Hyrule. J'attends le retour son de la dame. C'est nickel, ok. Bon, il faudra me dire s'il faut que j'augmente le son du jeu. J'avoue, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Alors du coup, on a le choix. Bah en fait, on n'a pas le choix. On n'a qu'un seul truc de disponible, je crois. On avait fait tout le reste, si je me rappelle bien. Ouais, il nous manque Urbosa. Tout ça, on avait fini. Tout ça, on avait fini. Tout ça aussi. Ouais, je crois qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait faire, sauf l'histoire principale. Du coup, on va aller avancer tout de suite, tout de suite. Donc comme d'habitude, je me muterai pendant les cinématiques, hein, qu'on puisse profiter pleinement. Et pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez changer votre petit avatar qu'il y a sur l'écran, sur téléphone, il faut cliquer sur le bouton SA quand on vous appuie sur votre écran, je crois. Et sur la version PC, il suffit juste de scroll un tout petit peu, et c'est en dessous la barre de live. Genre, je crois que c'est là où il y a les liens vers Twitter, Discord, YouTube, etc. Pour ceux que ça intéresse. Alors, équipe, Link torse nu bien évidemment. Hein. Est-ce qu'on peut lui mettre une autre tenue? Non, on va le laisser comme ça, il est très bien. L'épée en bois est très très puissante, on va le laisser aussi. Et on va garder Mipha. On va manger ça, allez. Alors, on part au combat, c'est parti. Vous avez pas trop froid, les gens? Les Gerudo vivent dans une cité des contrées Gerudo. C'est un peuple du désert, noble et fort, uniquement composé de femmes. Urbosa, la chef des Gerudo, douée de la prodigieuse faculté de contrôler la foudre et d'une exceptionnelle aptitude au combat, a été choisie pour piloter la créature divine Vahanaboris. Elle était également une amie très proche de la défunte reine d'Hyrule. Accompagnée de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule à la cité Gerudo. Mais en chemin, les événements prennent une tournure des plus inattendues. Ah bah c'est sympa, on se fait agresser par les copains. Attendez, je sais plus comment on joue moi. Comment on cible? Ah oui. C'est le problème quand ça fait un petit moment que t'as pas joué au jeu. Faut le temps que tu réapprennes les combos, les coups, tout ça. Après, globalement, ça devrait revenir assez rapidement. De toute façon, c'est du bourrinage. Hein. Bon,
barbare comme ça. On peut changer, je crois, avec Mipha, si j'appuie sur les touches comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, elle est où, elle? Ah! Je crois qu'elle, son pouvoir ultime, si elle me rappelle bien, il est très intéressant, ça permet de soigner. Il y a Impa qui est avec elle. Bon, on va un peu improviser. Hein. Le son du jeu est pas trop fort. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il sature sur la barre de baisse, mais vu que je suis pas sûr de ça. Bon, de toute façon, dans le doute, on va aller récupérer la base qu'il y a là-bas. Y a pas une histoire comme quoi. Ah oui, c'est ça. J'ai bien un arc. Alors. Captain apparaît sur la map, ça, ça devrait aller. Easy. Faut qu'on affronte ce capitaine là en priorité. Ok, on a fait une parfaite. Voilà. Alors, il faut qu'on attende la suite. Toutes sur Zelda. Ah ouais, donc du coup, elles ont vraiment décidé de nous buter, quoi. Les potes sont ouvertes. Ah oui, en effet. En fait, j'ai bien fait de le mettre torse nu, hein, comme ça, il a pas trop chaud pour se battre. C'était calculé en fait. Alors comment on fait déjà? Ouais, c'est ça. Je peux utiliser la tablette Sheikah pour utiliser des compétences avec cette gâchette. Ok. Voilà, ça c'est fait. Il y a deux chemins, on va passer par là. Ok. Les items. Est-ce qu'on peut rentrer dans les... Ah, on peut rentrer dans les maisons. Ah bah j'ai bien failli un coffre. Des rubis, ok. Par contre, les textures, elles bavent un peu hein, ici, on dirait. Ou alors c'est le flou, c'est pas très très agréable à l'œil. Pas très grave. On va passer un petit peu sur Mipha. Voilà, on déclenche le script du boss. Marie qui a encore chopé l'étoile. Urbosa ! Pourquoi ? Pourquoi fais-tu une chose pareille ? C'est ici que votre destin s'achève. Princesse Zelda.
Je suis rentrée aussi vite que j'ai pu. Mais je n'aurais jamais cru me retrouver confrontée à ça. Urbosa ? Au moins, vous n'avez rien. N'est-ce pas, madame ? Du coup, ce n'était pas la vraie. Bon sang ! Il a fallu que tu interviennes ! Eh bien, puisque c'est comme ça... Les petits jeunes, je compte sur vous. Je crois que les petits jeunes ne sont pas très heureux de se faire abandonner par leur chef. Ah, donc ça y est, on a de nouveaux personnages. On va tester un peu ses compétences. La foudre, logique. Ok, je peux charger la barre. Ok, je suppose que ça augmente ses dégâts. Et quand je veux recharger, j'ai juste à maintenir ça, ok. Urbosa. Il y en a du monde. Tout à l'heure, il n'y avait pas autant de personnes ici. Hein. Tiens, je me demande. Elle, c'est bon, à son comment. Là, je pouvais pas faire parce que j'avais pas de CD. Et sa barre se remplit également quand je tape normalement. Ok. Bon, il va me falloir un petit peu de temps pour assimiler le gameplay. Donc sa foudre elle est violente. Hein. Chance de m'avoir face à toi. Ah mince, c'est vrai. Maintenant les Gerudo sont avec nous, faut pas les taper. Mais va, je vais faire mon possible. Attendez. La séance, il me semble, elle a pas plus de points de vie, hein. Faut que je fasse gaffe. Le deuxième officier. Comment je fais pour zoomer la carte? Ah oui, comme ça. Salut. Hop, allez, on lance la troupe ultime. Ah, je pensais pas que ça lui ferait autant de dégâts. Bah voilà, c'est fait. Normalement, je crois qu'elle peut se nourrir comme ça. Donc du coup, se régène. Ouais, c'est bon. Je vais faire mon possible. Et Impa, pendant cela, ne fout rien. Ah. Si, je pense qu'elle doit taper un petit peu les trash, mais c'est tout. J'ai eu chaud. Alors du coup ouais, Mipa peut se téléporter dans sa flaque d'eau. Ouais c'est ça, ça lui permet de se téléporter. Voyons. S'il n'y a que cela pour te faire plaisir. Dézoomer la carte, comme ça. Ok, nouvelle destination. Alors comment on contrôle déjà les... Ah oui, comme ça. On leur demande de venir jusqu'ici. Pareil pour Urbosa, comme ça. Ok. Et là, logiquement, ils vont y aller tout seuls. C'est bon, les réflexes reviennent.
les réflexes reviennent tranquillement. Faut quand même qu'on observe un petit peu s'il n'y a pas des coffres, des petits trucs cachés, hein. Alors j'ai réussi à lui mettre une esquive sans vraiment le vouloir. Mifa a l'air d'avoir un petit peu plus de mal à arriver. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller... Ah oui c'est vrai qu'il peut pas sauter comme ça. Faire le tour. Et je suis curieux, je veux aller voir là-bas. Parce que je me dis que c'est un endroit parfait pour cacher un coffre en fait. Ah non, mieux, un Korogu. Non. Comment on peut faire? Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas. Moi j'aurais eu tendance à dire qu'il fallait le bloquer grâce à... Ça, ça là, le truc qui permet. Ah bah oui. Je devais pas être assez proche du coup. Ok. Allez, donne-moi ta noix Korogu. Donne la noix. Il l'a déjà donné. Ok, bon, c'est pas grave. Mifa, t'es où? Tu vas venir jusque là. C'est pareil, je me dis que c'est des endroits parfaits pour cacher des petits secrets. On va même faire mieux, on va prendre Mifa et on va y aller nous-mêmes, ça ira plus vite. Est-ce qu'il y a un système de TP comme dans l'autre Hyrule Warriors? Ben pour l'instant en tout cas je sais que je l'ai pas mais... Est-ce que plus tard j'aurai pas un système de TP comme ça? C'est possible. Bon, dans tous les cas, on va aller voir et ensuite on reprendra contrôle des autres personnages et on les fera revenir. C'est pareil, je pense qu'il doit y avoir des petits trucs cachés aussi dans la ville. Bon, après, c'est pas hyper hyper important non plus. On y est presque. Puis c'est bien comme ça, on arrose aussi un petit peu le désert, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Vu que madame court avec des flaques d'eau. Alors si ça se trouve c'était là où on avait spawn, j'avais oublié peut-être. On va improviser, c'est pas grave. Il est là. Il a envahissé son outil. Allez, il s'en va. Ouvre ça. Tu as eu la malchance. Ouais. Elle, faut pas la faire chier. Ça se voit. C'est vrai que des fois les bons c'est plutôt pas mal. On devrait peut-être demander à Mifa de revenir quand même pendant ça là. J'ai oublié. Hop, voilà. Bien. Tu as eu
la malchance de m'avoir face à toi. Avec ça, bon vent. Ah ok, faut que je les élimine avec les bombes, j'avais pas fait gaffe. Si c'est que ça, on va le faire. Non, mais ça, on s'en fout. Voilà. Mifa est toujours sur le trajet. Eh bien, ça contraste bien le désert vu qu'il fait froid en ce moment. Ça doit vous donner chaud. Parfait. Voilà, succès fait. Cinématique. Ah, je suppose que c'est notre boss du coup à combattre. Le gang Giga fuit devant la menace. Ah bah tu m'étonnes. Bon, le problème c'est que Mipha met beaucoup beaucoup de temps. Je vais la contrôler moi-même pour la ramener. On va gagner du temps. Mince. Bon, hop, ok. Merci pour le follow, Salade Spatial. Très beau pseudo d'ailleurs. Attends, elle me fait quoi, Urbosa, là? Elle est en train de se barrer en mode on s'en fout? Ah, mais non, du coup, ok, on s'en fout totalement du mob. Oh, je suis un peu déçu. Bon, bah, Mipha, tu vas venir jusque là. À peu près. Urbosa, tu vas venir jusque là. Puis Link, il va avancer un peu. Moi je pensais qu'on allait combattre le boss. Bah, attendez, il y a forcément un truc à faire avec le boss, c'est pas possible. Genre un loot bonus, je sais pas. Oui. Ah, concentrons-nous d'abord sur les Yiga. D'accord, ok. Pardon madame. Vraiment, ils veulent pas qu'on s'amuse avec le gros boss. On va s'amuser à taper les pauvres petits gars qui ont rien demandé. Enfin, qui ont rien demandé. Mince. Voilà. Je ne m'attendais pas à ça. Le moment est venu. Passons aux choses sérieuses. Allez, il s'en va. C'est tellement violent ce genre de truc. Link, il avait récupéré les coffres ou pas? Je sais même pas s'il y en avait. Je m'en occupe. Bon, allez, Mipha maintenant, à toi. Ok, on peut. Pourquoi tu veux pas le tourner? Bon, elle voulait pas tourner le cube. Oh, pis. Ok, le boss a popé. Comment savoir que c'est un boss? C'est simple, il est plus grand. Enfin, boss. Boss de camp, quoi. Il n'y a que cela pour te faire plaisir. Ok.
Ok, je suppose que maintenant ils vont nous demander d'aller combattre ce mec là. On va prendre la fin des explications. Parce qu'elle a pas l'air d'accord pour que je fasse la commande. Ok, c'est ça. Alors, Mipha. Ok. Et Urbosa. Faut qu'on en tabasse un petit peu, ça nous permet d'avoir des compos aussi pour les trucs secondaires. Et les trucs secondaires, c'est cool. Oula. Ok, je pensais pouvoir renvoyer les projectiles avec le bouclier, mais non. En fait, je suis en train de les tabasser avec une épée en bois, hein, quand même. Ok, je comprends mieux pourquoi ils pouvaient pas venir ici. Alors, Mipha, est-ce qu'on peut zoomer la carte? Oui. Tu viens ici. Et Urbosa, tu viens ici aussi. Alors. Ok, j'ai eu bon réflexe. Ça fait mal, c'est fait exprès. On en profite, on peut bourrer les yeux. Ça c'est Naruto. Ça je pouvais pas attaquer les deux, fallait que j'en choisisse un. Et je suppose qu'il faut quand même combattre les deux. Voilà, succès. Comment ai-je pu être vaincu par ces vermines ? J'ai bien failli y rester. Ça ne se reproduira pas. Repliez. Oui, Hiro. Il pensait même pas. Oh. Ah bah oui, je sais, Hiro, ça a toujours été comme ça. Chaque fois qu'il y a des étoiles, c'est elle qui les gagne. Attendez, si vous voulez, on peut être un petit peu joueur, regardez. Hop. Allez, essayez de choper des étoiles. Ok. Ah, nouvelle tenue pour Link. Pardonnez-moi de vous avoir fait déplacer jusqu'ici. En ce moment, la confusion règne dans la cité. Cela ne me dérange pas, Urbosa.
Ce n'est pas ta faute. J'imagine que vous connaissez le gang des Higa, n'est-ce pas? C'est une branche dissidente du clan Sheikah qui a pour but de ressusciter le fléau Ganon. Ces bandits ont étendu leur influence jusqu'ici, dans le canyon Gerudo. Nous ne pouvons pas éternellement les laisser faire sans réagir. Je vais piloter Naboris. J'en accepte le commandement. De la part d'une personne aussi chère à mon cœur, c'est une demande que je ne peux pas refuser. Je te remercie, Urbosa. Moi aussi, j'accomplirai mon devoir en tant que princesse d'Hyrule. Oh, madame. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit, je le ferai avec plaisir. Ok. Donc normalement, ça va être la phase où on contrôle la grosse créature, je crois. Ah non, cinématique. Alors, vous êtes revenu la queue entre les jambes? Si je n'avais pas été interrompu, j'aurais... À vrai dire, je ne me suis jamais attendu à grand-chose de votre part. Eh? Enfin, qu'importe. Allez, montrez-moi l'avenir. Venir. Je ne permettrai à quiconque de le changer. Ok, un nouveau personnage qui ressemble à... Bon, on va pas se mentir, hein, vu la tronche, c'est pas forcément gentil, quoi. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Alors, donc Urbosa, chef des Gerudo. Chef des Gerudo est aussi une grande guerrière qui maîtrise la foudre. C'est ce pouvoir qui lui a valu d'être choisie pour piloter la créature divine Vanaboris. Elle était également une amie très proche de Feu, la reine d'Hyrule. Ok, alors plein de trucs secondaires qui pop là. Oh là 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 là. Oh là là, tout ce qu'il y a. Alors, ah bah, désolé, tu suis à une pub, pourtant j'ai pas lancé de truc, je sais pas, je ne sais point, alors, donc non, ça c'est le scénario, ça on ne touche pas, là, entraînement d'Urbosa, alors, bon, déjà on va faire tout ça, exercice en herbe, on livre les sauterelles, hey. Votre entraînement spécial semble avoir réduit votre hésitation et votre vulnérabilité lorsque vous maniez l'épée. Vous sentez que vous avez progressé. Ah, une nouvelle étape. Alors ça, on peut. Votre aide n'est pas passée inaperçue. Maintenant, il va falloir vous entraîner pour rester à la hauteur. Une nouvelle compétence d'arme d'épée à deux mains, attaque forte. Yeah. Alors, mince. Le peuple d'Hyrule a décidé de créer une armée de volontaires dans laquelle l'escouade de défense Délimis, je sais pas trop comment ça se dit, se serait enrôlée. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour les aider? Leur donner du matos, apparemment. Votre soutien à l'armée des volontaires vous a valu le remerciement. Vous avez senti un grand pouvoir en vous entraînant à l'épée à deux mains.
pub. Tu as pris les notes. Tu t'es tapé les pubs de tout le monde. Ah bah désolé. Alors. Est-ce que ça on peut le faire? Oui. Vous êtes allé au centre d'entraînement à la lance pour vous améliorer. Vous devez d'abord tuer des monstres manieurs de lance pour avoir le droit de vous entraîner. Hop. Tiens. Donc là on est en train de booster les compétences de nos personnages. Enfin là pour l'instant de Link. Vous avez reçu l'autorisation de suivre l'entraînement à la lance. Il semblerait d'ailleurs que cette mission faisait partie. Vos prochains entraînements nécessiteront aussi des préparatifs. Donc voilà. Comme ça c'est bien, on pourra varier un petit peu les armes. Parce que se taper à l'épée c'est rigolo, mais c'est bien de changer. Alors, une journée au centre d'entraînement à la lance a commencé par la pêche du poisson avec... Ouais bon oui. À la lance commence par la pêche du poisson avec la lance. Attraper les poissons demandés. Ok. Alors, en vrai, c'est chaud hein, de taper à la... les poissons à la lance. Hein. Ok, et le dernier truc, on peut le faire? Non. Il manque un truc. Donc, pour Link, c'est fini. Impa. Les enfants des Sheikah apprécient d'autant... Non, on peut pas le faire. Zelda, on peut le faire. Vous avez appris que des invités d'un peu partout en Hyrule ont été invités à renforcer leurs liens. Ok. Préparer des plats de chaque région pour solidariser les convives. Hop, c'est parti. Vous avez trouvé des ingrédients de chaque région. Les chefs du centre d'Hyrule ont hâte de préparer des mets exotiques. Le repas promet d'être succulent. Et nous, on n'est pas invités, bien évidemment. Mipha. Les auras aimeraient faire une offrande à la déesse qui veille sur leur domaine. Préparez un fruit et déposez-le devant la statue de la déesse. Mais surtout, n'oubliez pas de le ramasser après avoir déposé. Tiens, salut Irina. Le fruit que vous avez préparé avec les habitants du domaine Zora a été déposé en offrande. L'eau au pied de la statue semble pétiller de gratitude. Ensuite, on vole le fruit. Bien évidemment. Daruk, rien de nouveau. Revali, rien de nouveau. Urbosa. Pour s'entraîner, Urbosa a décidé d'aller affronter les Alphos électriques à l'extérieur de la cité. Ce n'est pas un entraînement facile. Offrez-lui de quoi supporter la chaleur brûlante du désert. Par temps, pourquoi est-ce que tu vas t'affronter contre des trucs électriques alors que tu maîtrises toi-même la foudre? C'est pas très très drôle. Parfaitement équipé pour affronter la fournaise, Urbosa a vaincu un par un les Alphos électriques nichés dans le sable. Cet entraînement lui a permis de développer une nouvelle technique. Ok. Des Vaïs cherchent des matériaux pour effectuer des tests de construction. De la foudre pour leur recherche, visant à rendre les Voice accro. Ok. Que vient faire la foudre dans cette histoire? J'en sais foutrement rien. Pas mal. Malgré vos efforts, l'expérience a été un échec. Bien que le courant soit bien passé entre les participants, les liens entre tous les Vaïs se sont toutefois resserrés. Et Urbosa avait l'air ravi. Ok, un nouveau petit Kokoro. Alors ça on peut pas, ça on peut pas, ça on peut. Alors le fait que ça me demande des rubis, je suis déjà pas fan. Un jeune commerçant a repris le magasin de ses parents, mais sa gestion est désastreuse. Il aimerait que vous lui offriez une petite somme pour qu'elle engage de l'aide. Donc en gros, c'est moi qui paye pour lui. Allez, c'est parti. Oh. Ça va bien et toi? Grâce à votre soutien et nouvel employé, le commerce s'est redressé petit à petit. Soulagé, les parents de la jeune fille vous invitent à passer au magasin quand vous le souhaitez. Bon, ça nous donne accès au magasin. Qu'est-ce que tu proposes? Ah, on peut acheter des cailloux. C'est bien ça. Ce qui veut dire que du coup, on va peut-être pouvoir valider certaines quêtes qu'on n'avait pas fini, qu'on pouvait pas faire. Attendez, hop, accès aux installations. Parce qu'il nous reste encore des trucs à regarder. Ça on peut pas. Ça on peut pas. Ça on peut pas. Ok, les petits plats. On peut pas. On peut. J'ai oublié de lire, trop tard. C'était c'est pas réveillé ce matin, sinon ça va. Ah, je me disais que c'était bizarre, vous soyez pas encore connecté à ce soir-là. Panne de réveil. Ça fait une brochette de champignons grillés. La recette est simple, mais elle permet de protéger le corps de la foudre. Maintenant que vous l'avez prise, il faudra l'utiliser. Ok. Ça nous donne un nouveau plat. Les détecteurs Sheikah, rien de nouveau. Alors du coup, c'était chez qui nous manquait un item? Link, non. Impa, non. Zelda, non, on avait tout fait. Mipha, on avait tout fait. Daruk, on avait tout fait. Revali, on avait tout fait. Urbosa, on avait tout fait. Parce qu'il me semblait qu'il nous fallait des cailloux quelque part. Bon, je sais plus. Salut, H. Oh, les pannes de réveil, ça arrive.
En temps, je peux comprendre. Honnêtement, vu la chaleur, enfin, la fraîcheur plutôt, je comprends qu'on se les caille. Bon, du coup, il va falloir que je fasse les entraînements. Entraînement d'Urbosa. Urbosa niveau 7. Est-ce qu'on a une nouvelle arme à lui donner? Bah, on a déjà la meilleure arme pour elle pour l'instant, donc on va rester là-dessus. Hein. Hop, c'est parti, on part au combat. À Glagla. D'ailleurs, en parlant de Glagla, il fait tellement Glagla que je vais allumer le chauffage, tiens. Hop, voilà. Parce que là, je sais pas pour vous. Mais là, actuellement, chez nous, il fait... Bon, toujours moins 8. Ah non, on est passé à moins 5, ça s'est réchauffé. C'est bien ça. C'est bien, une bonne nouvelle. C'est bien ça, j'aime bien les bonnes nouvelles comme ça. Bon allez, je suis de bonne humeur, je vous envoie des nouvelles petites étoiles. Allez hop, bonne chance pour les choper. Pendant qu'un Rayquaza sauvage vient de popper, qui est ce Rayquaza? Walking Dead 001 je crois. Je sais pas si c'est bien ça le pseudo, mais bienvenue à toi. Et c'est Marie qui est en train de voler absolument toutes les étoiles, comme d'habitude. Je sais même pas pourquoi. Et on a moins 8 ici, fait froid à l'intérieur. Même avec le chauffage. Ah! Alors, ah oui, mince, c'est timé. Je dois éliminer 100 ennemis en 3 minutes. Bon, honnêtement, ça devrait aller. J'ai fait le ménage par ici. Une attaque forte plusieurs fois sur X pour vider la jauge de foudre en une puissante attaque. Voilà. On va charger notre truc, voilà. Les petites esquives là des familles. Ah, faudrait que je cible les adversaires, ce serait plus simple pour taper. Voilà, le petit coup fatal. Voilà, Emmett, bien évidemment. Allez, lève-toi. Allez, tuons nos copines. Voilà. Je peux encore taper, il va y avoir une nouvelle faute. Éliminer les captains. Salut captain. Vas-y, viens de battre. Allez, petit pas, petit pas, petit pas. Esquive. C'est censé me faire mal. En fait, plusieurs fois, mais c'est un petit peu compliqué à mettre en place parce qu'il y a un petit temps entre les deux. Donc, si on se prend un coup, ça marche pas. Ah, et la solution à la fatigue, vous savez ce que c'est? Une sieste. C'est véridique, c'est efficace. Ça dépend juste du temps de la sieste. Si vous prenez une sieste trop longue, ce n'est pas une bonne idée. Ah, un nouvel arc pour Revali. C'est bien ça. On récupère quelques compos. Salut Kari. Alors, faut qu'on continue nos entraînements tranquillement. Épreuve basique de foudre. Niveau 9.
temps limité. Niveau conseiller 9, du coup, ok. On va aller faire ça. Est-ce que je peux un tout petit peu la booster? Je me souviens plus comment on fait. Observer le personnage. Ouais, bon, c'est très joli, mais c'est pas ce qu'on veut. Les compétences, les armes. On garde toujours ça. Bon, on va essayer de se faire un plat pour résister à la foudre. J'ai hâte de goûter. Ce n'est vraiment pas mauvais. Allez, c'est parti. 20 minutes max pour une bonne sieste. Ouais. À ce qui paraît, c'est ce qu'il faut faire. Sauf que moi, 20 minutes max, c'est déjà le temps qu'il me faut pour essayer de m'endormir. Minimum. Il ne faut pas faire... En vrai, moi, personnellement, les siestes, j'aime pas ça. C'est cool parce que ça te fait du bien. Mais quand tu te réveilles, t'as juste qu'une envie, c'est de retourner te coucher derrière. T'as envie de continuer ta sieste. Et ça, c'est le pire. Commencer la bataille, c'est parti. Alors, épreuve basique de foudre. Alors déjà, on va essayer de charger notre attaque. Ok, ça passe. Je dois éliminer le moblin. J'ai oublié de couper tout pour enchaîner. Ouais, c'est aussi sur des yannes là-dedans. Alors, les gars. Vous m'avez fait. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. Non, non, le café. Pas bon, le café. Après, tu deviens accro et dépendant, et quand tu bois pas ton café, bah. Généralement, t'es de mauvaise humeur, t'arrives plus, tu dors moins bien. Et si je gelais tout ça? C'est glorifiant, non? Si je gelais tout ça. Ah, c'est pas bien placé. Utilisez la poudre contre moi. C'est trop prévisible. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. Et si je gelais tout ça? Il revient, non? Dommage, une attaque de plus, ça passait. Voilà. Ça arrive d'être malade avec cette température de merde. Je peux plus taper, ok, on a réussi la mission.
Ok. Alors. Maintenant, l'entraînement de Link à l'épée. On peut partir comme ça, on va pas se mentir. Ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est moins 20. Bah. Moins 20. Pays froid. Trop froid. J'aime beaucoup le froid, hein, mais moins 20. Ça commence à être froid quand même pour moi aussi. Là, je sais pas s'il a neigé chez nous cette nuit. J'aime bien moi quand il neige. Parce que c'est beau. C'est juste beau. Et aussi quand tu peux faire des batailles de boules de neige, parce que c'est marrant. Mais sinon, c'est chiant quand tu dois prendre la voiture, que ça glisse de partout, c'est dangereux. Enfin, c'est vraiment désagréable comme situation. Ok, j'ai 4 minutes pour tuer 500 mecs. Hop. Ah là, il y a du monde. Parfait. De venir à moi. Là, faut que j'aille taper dans les rangs. Là, il y a du monde. Alors, je ne savais pas que je pouvais lancer cette attaque automatiquement comme ça. Mais honnêtement, elle en essaie de les regrouper et hop, ici. C'est ça, poulet. C'est ça, c'est un Dynasty Warrior version Zelda. C'est pour ça que ça s'appelle Hyrule Warriors en fait. Et oui, mon Link il tape. Enfin, non, il est pas à poil, il a un pantalon, regarde. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de regarder la nouvelle tenue que j'avais débloquée. C'est exactement ça, Kari. C'est pour montrer son torse musculeux et huilé et que tous les adversaires sont en mode ouh, une touche. Cette limite compliquée. Ouais, ça devient compliqué parce qu'ils sont dépaqués. Voilà, c'est bon.
ça, Irina. Je dis pas le titre. Il est comme Shiryu, il tire sa force. C'est exactement ça. Qui a dit que je n'étais pas digne de mon armure? Alors du coup, là, logiquement, je dois encore faire une autre bataille avec Link. On va pouvoir regarder sa nouvelle tenue. Mais je vous dis tout de suite, il risque de rester torse nu. Hein. C'est quoi le titre? Ah, d'accord. Ah bah, bravo. Ok, on a réussi notre bataille. Alors, non, là, entraînement Link à l'espadon. Ok, vous devez changer d'arme pour pouvoir combattre. Oui, bah, je doute. Alors, attendez, est-ce que l'espadon... Attendez, est-ce que j'ai ce qu'il me faut au moins? Attends, déjà, on va regarder la nouvelle tenue. Alors, regardons ça. Oh, ça peut donner un petit style, hein. Mi-torse nu, mi-habillé en mode de grec. Si on lui enlève le pantalon. Parfait, c'est Hercule. C'est ça, tutu. Est-ce que... Vas-y, on lui met le petit chapeau. Histoire qu'il est bien ridicule. Non. Non, faut pas déconner, non. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Alors, vous devez changer d'arme pour pouvoir partir au combat. Alors, l'espadon, c'est représenté par quelle arme sur le jeu, là? Épée, bouclier, non. Est-ce que le boomerang, ça passe? Non. La louche, c'est aussi une épée. Arme à deux mains? Logiquement, ça va pas... Ça passe! Ok, donc du coup, on sait... C'est les grosses épées. On y va avec quelle arme? On va prendre cette épée. Ah non, on y va à la hache. Non, l'épée. Ouais, l'épée. Allez, va pour l'épée. C'est parti. Partir au combat. Alors, je me souviens plus du gameplay, mais je crois que c'était un truc bien bourrin où c'était taper, 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 taper. Et tu perds des points de vie? Alors, du coup, c'est un gameplay de merde. Bon, on verra bien. Nous allons improviser et taper dans le tas. Link épée à deux mains. Après avoir terminé un combo par une attaque forte, désespérée, ZDR, vous pouvez soigner les dégâts temporaires en subissant en mangeant de... Ah oui, donc du coup, ouais. Avec X. Ok. Donc en gros, c'est tu tapes et tu te soignes, temporairement. Enfin, tu tapes, donc tu prends des dégâts temporaires, et ensuite tu manges et tu te régènes. Ok. Ça devrait aller, j'ai confiance. Et confiance... Alors, commencez la bataille. Alors. Ok, je vois. En fait, quand j'utilise l'attaque forte, ça fait sûrement une attaque qui fait plus de dégâts, mais en contrepartie, je perds des points de vie. Ok. Oula, il y a une belle brochette là. Venez là, les copains. Alors, on va ignorer les capitaines. Parce que pour l'instant, il faut juste qu'on se tape contre 400 gars. On est à 183 sur 400, on a encore du temps.
Viens par là, toi. On est à 200. Du temps est écoulé. On a fait plus de la moitié des mobs. Pour l'instant, on est bon. Claque les outils, hein, tant qu'à faire. Ok, là il y en a. Yo les copains, allez, on se regroupe. Voilà Darouk. Voilà. On va l'éliminer juste après. Il y a lui qui nous emmerde. Voilà, salut Darouk. Vas-y, 1v1. Octogone. La caméra qui a quelques difficultés là. Fatal. Et voilà, c'est gagné. Ah, j'ai plus de place. Balance ça, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde, pas forcément en réalité. Hein. Voilà, ça c'est bon. Toi on peut toujours pas te valider. Toi on peut toujours pas te valider. Toi y'a rien. Toi y'a rien. Toi y'a rien. Toi y'a rien. Toi. Ah! Une propriétaire a utilisé du métal pour construire son auberge dans une zone sujette aux orages. Elle n'a pas de quoi la reconstruire, mais aimerait la protéger avec des matériaux isolants. Tiens! Pas mal! Les matériaux isolants ont été installés et l'auberge a déjà pu rouvrir ses portes. La propriétaire n'a plus à s'inquiéter de chaque orage et les clients vont enfin pouvoir dormir tranquille.
bah ça, tu m'étonnes. Oh, un nouveau chapeau pour Link. Que da grâce. Bien évidemment, on lui donnera pas. Toi, tu peux pas. Toi, tu peux pas. Et toi, tu peux pas. Il est plein. Toi, tu peux. La marchande frissonne et son nez coule sans arrêt, comme si vous avez attrapé un rhume. Puisqu'elle refuse d'aller se reposer, prépare-lui un bon plat chaud pour l'aider à se réchauffer. Ah bah, écoute, moi j'ai payé un jeu à choisir. Je peux, si je peux le faire le 100%, c'est important. En plus, si tu veux débloquer les tenues, les compétences et les attaques, tout ça, t'es obligé de faire le secondaire. Donc autant faire le secondaire dès que tu le débloques. Comme ça, t'es pas emmerdé avec... T'es pas emmerdé. Alors, Link à la lance, c'est parti. Vous devez changer d'arme, bah j'essaie. On va partir à la lance. Hop, voilà. Regardez, on dirait un mec primitif là. Hop, c'est parti. Oh oui, mais ça m'étonne pas. La plupart des gens ont la flemme de faire les jeux à 100%. Après, ça dépend à quel niveau de farm il faut faire le 100%, mais là, pour l'instant... Quand je vois que je peux faire quelque chose, je le fais. Tant qu'à faire. Je trouve ça plus intéressant. Comme ça, tu profites mieux du jeu. Parce qu'il faut pas oublier que, en fait, dans le premier Hyrule Warriors, t'avais quand même une quantité phénoménale de niveaux grâce au mode aventure. C'est que dans celui-là, t'as juste le mode histoire. T'as pas le mode aventure derrière. Sauf si à ce qui est pareil, il y a un DLC qui est censé sortir, je sais pas trop quoi. Je me suis pas trop renseigné. Mais c'est toujours utile. Enfin, du coup, autant faire le contenu de ce qu'on te propose. Pour éviter d'être débordé après. Tu vois, c'est un peu comme quand tu veux jouer aux Sims. T'achètes les Sims, t'achètes le premier jeu et tu te dis, ouais, j'achète le reste plus tard. Et ensuite, tu reviens et tu fais, ah bah merde, il y a 32 DLC à payer. Tu vois, donc autant tout faire au fur et à mesure quand tu le veux. Ça épure. Alors. Au final, vu que c'est un jeu un peu défouloir, comme ça, ça donne une excuse d'y revenir, tu sais, quand on veut juste te défouler, de bourriner un jeu sans trop réfléchir. Tu te fous en plein milieu, tu fais tes missions comme ça, tu tapes. C'est cool aussi. Il y a des gens pour se défouler, ils jouent à Doom, et d'autres ils jouent à Hyrule Warriors. Même si en vrai, dans l'autre Hyrule Warriors, il y a des trucs pas forcément simples à faire. Hein. Bah surtout sans parler dans le premier. Enfin je sais qu'ici t'as aussi des petits trucs secondaires mais c'est moins... Enfin ça a l'air d'être moins visible et moins présent pour l'instant. Du moins de là où j'en suis. C'est que t'as tout le mode histoire à faire mais tu dois faire le mode histoire dans les différentes difficultés. Comme ça tu peux récupérer aussi toutes les spoutulas qu'il y a avec. Tous les quarts de cœur, tous les machins. Et une fois que t'as tout fini dans le scénario, tu dis vas-y je lance le mode aventure. Et là tu te retrouves dans un mode aventure où tu peux même y jouer à deux. Donc celui-là je sais que tu peux y jouer à deux aussi. Mais enfin, je veux dire, le mode aventure en multijoueur sur l'autre, il y a vraiment de quoi faire des bonnes soirées jeux. Après, il faut aimer le style de jeu, bien sûr. Parce que si t'aimes pas ce genre de jeu où tu dois juste bourrer, taper, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ah, on a roulé sur le truc là. Oh purée, on a looté un balai. Meilleure arme du jeu.
Alors, on était où? Non, on peut toujours pas. Toujours pas. En fait, je vérifie à chaque fois, même si je me doute que je peux pas le faire. Voilà, on a fini ce qu'on avait à faire dans l'émission 10 à 20. Voilà. Alors, ici, ça devient un peu plus compliqué. Attends, pourquoi tu m'indiques ça là-haut, toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Ah, c'est pour entraîner les PNJ. Non, mais c'est bon, ça ira, t'inquiète. T'inquiète pas, petit robot. Voilà. Pas d'apparition d'objets de régénération. Défaite au premier coup subi. Ah! Bon, du coup là, on va prendre l'épée en bois. Hein. Donc défaite au premier coup subi. Là, ça va être marrant. Ça sert à rien de mettre des boosts. Ah mais le jeu, tu peux y jouer des heures et des heures. J'ai regardé pas mal de streams de Lennon dessus. Et quand tu vois qu'après, je crois, peut-être plus de 40 VOD différentes dessus sur les streams de Bob Lennon, il a toujours pas fini quoi. Bon, défaite au premier coup subi. J'avoue, là, je suis pas serein. Prenez le contrôle de l'avant-poste. Ah, merde. Donc du coup, ouais, il faut vraiment tout faire sans prendre le moindre coup. Ah, mais ils sont sympas. Ils te mettent un checkpoint. Mince. Ah non, non, mais ça, je suis pas trop d'accord. Ça aurait été plus vicieux de pas mettre de checkpoint et de devoir tout recommencer toute la mission. Voilà, normalement ça devrait passer. Alors là, autant c'était basique, ça devrait aller. Les versions extrêmes de ce bordel, je peux comprendre peut-être du coup que certaines personnes aient eu la flemme de le faire à 100%. Parce que si tu dois te taper 20 minutes de combat comme ça sans te faire toucher une seule fois, bonne chance. Faisable. Chiant, mais faisable. Alors, défenseur du néant. Rien de spécial d'indiqué.
peut partir au combat. Qu'est-ce que j'en... Ah oui, oui. Carrément, oui. Ça peut être vraiment très très compliqué, très très chiant à faire. Bon, après, pour les gens qui veulent du challenge, c'est très bien. Ça, par contre, y a pas à nier. Regardez, ils font tous la queue leu leu. Ah, ça y est, commencez la bataille. Prenez le contrôle des avant-postes. Ok. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de temps. Pour l'instant. Et surtout, on se fait pas one shot. Alors en fait, je crois que quand je cours avec le bouclier, ça me permet de les paquer ou de me frayer un chemin, mais ça leur fait pas de dégâts. Ou très très peu. Regardez. Ah si, la barre a diminué. Donc ça doit leur faire très peu de dégâts. En tout cas, ce serait peut-être un petit peu puissant quand même. Petit coup fatal. Salut, en vrai, pour les avoir fait, je trouve même pas. C'était les niveaux sur lesquels j'ai le plus galéré. J'ai pas encore fait le 100% du jeu ou presque, mais il y a eu des niveaux sur lesquels j'en ai plus chié. Plus chié que les trucs qui te one shot. Ah bah j'ai hâte de voir ça. Et bonjour à toi. Parce que moi j'aime bien les trucs compliqués. D'ailleurs, il va falloir qu'on se refasse une petite session de Super Ghouls and Ghosts, NC4. Pas dans le bon sens. J'ai un doute, est-ce qu'il se tape en troupeau des fois? Je crois que oui. Quoique. On va se débarrasser d'un truc. On va se débarrasser de ce balai, tiens.
tout le temps. Ouais, c'est vrai que ça peut être relou aussi des niveaux full boss. Je sais pas s'il y en a dans celui-là. Ça, c'est validé. Ok. Alors, tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. On peut pas. On peut toujours pas. Ça, c'est fait. 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 On peut pas. On peut pas. On peut pas. Ça, on peut pas. Il me semble que je peux... je ne me souviens plus comment on fait, par contre. Non. Non. Voilà, c'est ça, la détection. Comment est-ce que je fais? Ah, d'accord, donc pour les détecter, il m'en faut déjà un. Ok, bon, on fera ça la prochaine fois. Pour essayer de focus des trucs. Cela, moi, je vais devoir vous laisser. J'ai un coup de fil à passer. Vu qu'on m'avait dit d'appeler à partir de 10h. 10h01, je pense que c'est raisonnable pour pouvoir téléphoner. Hein. Les joies des coups de fil. Donc du coup, j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée, oui, on peut le dire, vu qu'on est encore que 10h du matin. Et peut-être qu'on relancera un truc cet après-midi vers les 17h si l'envie me prend. Allez, bye bye tout le monde, ciao ciao.